prendre là-bas. Ouais. Alors, déjà, alors je tâche mon casque. Hop. Eh ben, this is quite fun. So, we're on our way right now, leaving the town hall. Let's have a little conversation with one of the agents of the town, talking about what they had, exchanges that they had with the mayor, and what to do with it. And Aldis is the one with the crossed jackets over there. T'es en live aussi? Non. Non, non, j'ai pas le matos d'Altis encore. Non, pour l'instant, j'enregistre et je monte après. Ah oui. Ah oui. Oh, il n'y a pas. So the pavement is much thinner than the road. Ah, yeah. Attention, il y a un gigantesque bus qui arrive. Mais là, on est en train de parler avec le département et la ville pour qu'il y ait une continuité de l'aménagement, donc après Maréchal Joffre jusqu'au Champ et après vers Louison Bobet, qui est une piste temporaire vers le Perreux. Ah oui, bah, c'est ce que j'ai pris pour venir, d'accord. Voilà, parce qu'en fait, sur le côté gauche. Cet axe fait partie du plan vélo de la métropole du Grand Paris. D'accord. Donc ils doivent le renforcer. D'un côté, tu as le RER vélo, donc ça, ça passe pas vraiment par Fontenay, mais c'est les grands axes qui doublent le RER, le plan, ce qui est porté par la région. D'accord. Et en plus de ça, à côté, tu as le plan vélo de la métropole du Grand Paris, qui est en fait pas vraiment des lignes comme peuvent l'être un RER vélo, mais plutôt un financement d'aménagement qui sont dans le cadre d'un axe. Donc, ils ont défini des axes, ils disent au département ou aux villes, si vous financez, on vous finance à temps, je crois que c'est 70%, mais à vérifier. Si vous aménagez dans cette itinéraire, on va dire. Mais nous, on est une asso, on ne fait pas partie des réseaux Paris Ancienne ou l'INED, mais après, via le collectif des loyers de France. C'est ça. Ok. Alors, faut quand même admettre que la ville est quand même assez charmante. C'est une charming city. Ça me rappelle un peu nos gens. Oui, en moins vallonné. Ouais. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, le souvenir que j'ai de nos gens, c'est les côtes. Mais le côté un peu faux immeubles traditionnels. Ah oui. Oui, c'est ça. Néo-Île-de-France, j'aime bien l'idée. Les Plessis Trévise. Un dimanche après-midi, on a quand même. Combien de ronds-points? Combien de. Everywhere. Oh, il y a une piste cyclable sur un trottoir. Excellent. That's the cycle lane. How short was it? On la voit à peine commencer parce que c'est le moment exactement. Ouais, je sais pas trop ce qu'on est supposé faire. C'est pas très trendy quoi. Non. There's no pedestrian crossing here. Where are we going? Sorry. What was that for?
no bike parking here. It was so quiet when we were stopped, and now the traffic has started again. Entering Le Plessis-Trévise. Residents with a bike. The first one we see here. Il y a un signe de passage ou pas? Non, c'est pas un coup. Non. Ah, ok, merci. Par contre... La première. Wow. Let's see how long this one lasts. Ouais non, les pistes sur... Oula, c'est un miroir ça. Les... Ah ben voilà, c'est bon, merci. C'était... Ah d'accord, donc ça continue quand même. Ok. Séparateur. Il y a quand même quelque chose. Ah wow, ok, oui, séparateur, un vrai. Ok. Putain, mais elles sont vraiment horriblement placées ces plaques. Putain. J'ai l'impression d'être sur une autoroute américaine là. C'est pas rassurant du tout. Donc tant qu'ils avancent pas, on peut pas passer. Léon.
y a quelque chose sur la trottoir. Qu'est-ce que c'est? C'est un pictogramme vélo. What? Debout, faisons voilà, du vélo. L12. Wow. Il n'a même pas de flèche. Mais non, mais pourquoi? No, I'll run this one. Was it removed? Ah, c'est une bosse. That's weird. C'est attention, attention, il y a une bosse ou attention quelque chose. C'est ça, c'est des. Et voilà. Le seul est unique. Le M12.